Alors Olivier, donc ancien Standardmen, on m'a même dit que tu revenais de temps en temps de voir des matchs. Ça te fait quoi de revenir ici au Standard? Ça fait plaisir, je peux pas dire autrement. Donc c'est vrai que je reviens assez souvent. Je suis revenu avec beaucoup d'amis voir des matchs. Après, c'est vrai que depuis que j'avais la nouvelle fonction à ma ligne de directeur sportif, je suis venu un petit peu moins souvent parce que je connaissais déjà le club, donc je vais scouter d'autres joueurs. Mais c'est vrai que pour moi maintenant, c'est un nouveau départ et je suis très motivé pour ça. Est-ce que le Standard a toujours été un club de cœur pour toi? Je crois que c'est difficile à nier à partir du moment où j'ai passé trois vraiment très belles saisons ici en tant que joueur. Je veux dire, j'ai toujours gardé contact avec énormément de personnes dans le club. Et c'est vrai que le Standard a fait partie de ma carrière et c'est une très belle période de ma carrière. Oui. Il y a quand même une grosse différence à être directeur sportif d'un club comme Malines, qui a évidemment un grand passé, parce que c'est quand même le dernier club belge à avoir gagné la Coupe d'Europe. Maintenant, c'est vrai que par rapport à l'importance du championnat de Belgique, le Standard est un club plus important actuellement. Donc il y a beaucoup plus de choses à gérer. Il y a notamment aussi l'académie. À Malines, l'académie, c'était fort amateur. Ici, il faut compter sur les jeunes. Donc ça va être un message fort aussi de garder ses meilleurs jeunes pour laisser la porte ouverte pour l'équipe pro. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de. Durant ces 2 dernières années de directeur sportif à Malines, j'ai pris de l'expérience parce que c'est vrai que c'est pas du tout la même chose en tant que joueur actif et passer de l'autre côté dans un bureau, c'est complètement différent. Mais maintenant, ça va, je me sens bien. C'est important de savoir l'odeur d'un vestiaire. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, maintenant qui sont, je dis bien malheureusement, dans des places importantes dans beaucoup de clubs de football qui n'ont jamais joué eux-mêmes. Donc là, c'est vrai que maintenant, moi, avec une personne comme Daniel Van Buyten, comme Thierry Vrians aussi, qui va être responsable, avoir mon bras droit chez les jeunes, ce sont des gens qui savent exactement ce qu'un vestiaire ressent et ce qu'ils veulent faire. Et c'est vrai que moi, dans ma position actuelle, le fait de savoir ça peut me donner des signaux importants. Mes attentes ne sont pas personnelles, c'est collectif. Le football, c'est pas du tennis. Donc, si tu es individuel dans ce sport, tu vas te planter. Donc moi, je connais mon caractère, je connais ma mentalité. J'ai besoin des autres pour avancer. On a besoin de s'entraider pour avancer. Maintenant, je crois qu'au Standard de Liège, tu n'as pas le droit de parler d'une année de transition. Donc moi, j'arrive ici au milieu d'une saison, mais c'est pour avancer par rapport à la saison prochaine. Donc le Standard se doit d'être compétitif à tous les niveaux. Et il est hors de question pour moi de parler d'année de transition. Même s'il faut être objectif et il y a pour le moment quelques équipes qui ont un petit peu d'avance sur nous au niveau sportif. Je pense que si la direction du Standard a été assez fortement intéressée à m'appeler pour faire ce travail-ci, c'est qu'ils ont remarqué quelque chose peut-être un petit peu de spécial, mais ce n'est pas à moi à dire qu'est-ce qu'il y a de spécial. C'est vraiment être honnête et travailler à 100% pour mon club. Et effectivement, ici au Standard, il y a ce potentiel jeune qu'il faut profiter de ça et surtout pas faire les erreurs de laisser partir les meilleurs talents. Souvenir important, moi, c'est surtout la communion que j'ai eue avec les supporters. Donc, je pense que ce qui est intéressant dans ma carrière, ce qui est parfois même bizarre, c'est que en Belgique, j'ai joué à Charleroi, au Standard et à Malines. Et dans ces trois clubs-là, je suis parti, je suis revenu à chaque fois. Donc même à Charleroi, j'ai quitté, je suis parti en Italie, ils m'ont rappelé après. Malines, même chose. J'étais joueur, j'ai quitté, ils m'ont rappelé comme directeur sportif. Et au Standard, la même chose. Donc à partir de ce moment-là, je pense que ça veut dire que tu quittes jamais un club négativement. Donc ça veut dire que tu as touché les gens au niveau enfin, j'ai touché les gens au niveau de ma mentalité. Et grâce à ça me permet de rester moi-même et d'avancer. Donc par rapport au passé, c'est pour ça aussi que je revenais souvent dans les tribunes avec le public de Sclessin. C'est un public très chaud, honnête et fantastique. Donc moi, quand il y a des personnes comme ça, tu as envie de donner à fond pour leur rendre plaisir.